Bonjour à tous et bienvenue dans Entre nous sur ICI Télévision. Notre invité aujourd'hui est l'auteur du livre « Je n'ai pas choisi de partir » qui raconte son expérience d'immigration par le célèbre chemin Roxham que beaucoup de migrants vers le Québec ont connu depuis 2017. Bonjour Lovejoy, ça va bien ? Bonjour Marie, merci de ton invitation à échanger avec toi sur le sujet. Écoute, bienvenue vraiment, tu es le bienvenu dans ICI Télévision, dans Entre nous. C'est avec beaucoup de plaisir vraiment qu'on va échanger sur ce sujet qui est vraiment très, comme tu le sais, ça fait partie de ton parcours, mais aussi très d'actualité. Alors juste pour quand même mettre une mise en contexte pour tous nos téléspectateurs, est-ce que tu peux nous raconter, toi, comment tu es passé par ce chemin ? En 2017, il y avait un président très célèbre aux États-Unis qui s'appelle Donald Trump, qui a pris la décision de déporter tous les Haïtiens qui avaient été accueillis par son prédécesseur, le président Obama. Il faut le savoir, à la suite du séisme qui est arrivé en Haïti en 2010, le président Obama avait donné un statut temporaire à beaucoup de gens qui se sont retrouvés un peu dans une situation très délicate en Haïti. Et donc, ils ont été acceptés aux États-Unis. On leur a donné un statut temporaire pour rester et travailler. Okay. Quand Donald Trump arrive, il commence à avoir un discours un peu particulier. C'est quand même Donald Trump, on le connaît un peu aujourd'hui. Donc, il disait que tous les Haïtiens étaient des criminels et des porteurs de VIH et qu'il fallait que tout le monde s'en aille. Tout le monde quitte les États-Unis, tous ces immigrants-là. Tous ces migrants haïtiens qui avaient ce statut temporaire. Okay. Et c'est là qu'on a commencé dans certaines villes à les pourchasser. Et le Premier ministre Justin Trudeau avait fait un tweet qui est devenu très célèbre aujourd'hui. Il disait que tous ceux qui fuient les persécutions à travers le monde, le Canada était prêt à les accueillir. Okay. Mais quelques mois auparavant, le même Donald Trump avait fait le même discours à propos des Syriens et des Yéménites qu'il considérait comme les pays du mal, des terroristes. Et parmi eux, certains ont découvert le chemin Roxham en 2016. Okay. Ils sont passés par là et donc c'était un peu connu parce que malheureusement, quand eux, ils traversaient le chemin Roxham, ces Syriens-là, en 2016, il y avait deux personnes, je pense deux Ghanéens, qui les ont accompagnés et qui avaient tellement froid qu'il y en a qui ont perdu leurs doigts. Okay. Et donc, c'est là que le chemin Roxham est venu dans l'actualité la première fois. Et donc, en 2017, tous les Haïtiens qui avaient peur d'être déportés par la décision de Donald Trump se sont tous rués vers le chemin Roxham. Okay. Et moi, je me retrouvais aux États-Unis dans la même période. Et j'avais un ami ici qui me dit, « Ah tiens, il y a les Haïtiens qui viennent par un chemin. Il faut absolument que tu quittes les États-Unis pour passer par là aussi, etc. parce que le Canada est meilleur. » Et ça coïncidait un peu avec, je le raconte dans le livre, ça coïncidait avec un rêve que j'avais fait, que je traversais la frontière avec des hommes en blanc. Donc quand je fais la recherche sur Haïtiens, déportés, chemin, sur Google, que je tombe sur les articles, je vois effectivement les officiers de la gendarmerie royale qui étaient habillés de blanc. J'ai dit, ça, c'est le chemin. C'était le chemin. Je ne voulais pas rester aux États-Unis non plus parce que j'étais arrivé en avril. Là, on était en août. Mais j'avais du mal à faire ma demande d'asile tout de suite pour la simple raison que moi qui ai fui la persécution politique où je trouvais que ma vie était en danger. Au Togo. Et je trouvais que la société américaine était très violente quand même. OK. Les chiffres nous disent qu'il y a 400 millions d'armes à feu qui circulent aux États-Unis pour 300 millions de personnes. Mais attends, avant de rentrer un peu plus en détail au niveau des États-Unis, donc tu as quitté le Togo. Oui. Si je peux te demander, comment tu es arrivé aux États-Unis ? Pourquoi les États-Unis ? Qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves là-bas ? Bon, j'ai quitté le Togo parce qu'effectivement, j'avais un souci, disons ça entre griffes, avec le gouvernement de mon pays. Je suis d'abord allé en Côte d'Ivoire, qui est un pays voisin, dans la même région ouest-africaine. Okay. Mais je disposais d'un visa touriste pour les États-Unis. Okay. J'avais une offre d'emploi en Côte d'Ivoire, j'aurais pu rester. J'avais même entamé les démarches pour avoir ma carte de résident en Côte d'Ivoire pour pouvoir exercer librement. Mais quand je suis parti aux États-Unis pour aller visiter, le temps de concrétiser ma proposition d'emploi, j'ai eu des échos encore plus graves parce que comme je n'étais plus sur le territoire, j'ai eu des échos par rapport à ma situation. Et puis je me suis dit, si je suis en Côte d'Ivoire, il y a un seul pays qui sépare le Togo et la Côte d'Ivoire.
Et justement, les gens qui me proposaient de travailler pour eux étaient liés. En Côte d'Ivoire, étaient liés avec la politique togolaise. Donc c'était pas quand même un peu un piège. Un c'est ça. Ouais, je n'étais pas rassuré. Je me suis dit, ben, si jamais ces gens-là leur demandent de me rapatrier, ils vont me ligoter, ils vont me renvoyer dans mon pays. Et peut-être que je n'avais pas envie. Et puis je me suis dit, non, je vais rester ici. Et puis un soir, je sors, j'étais dans le Maryland. Je sors, je me balade. Et puis il y a un groupe de jeunes qui m'invitent à boire une bière. Je fais, ah, mais pourquoi pas, je vais pratiquer mon anglais. J'arrive, je prends la bouteille. Et là, j'observe, tout le monde a un flingue dans son jogging. Et je fais, okay. Bienvenue aux États-Unis. Bienvenue aux États-Unis, effectivement. J'ai dit non. Et donc, après ça, quand j'ai appris effectivement qu'il y avait le chemin Roxham, je me suis dit, si le Premier ministre du Canada dit que ceux qui fuient la persécution peuvent venir au Canada, j'ai fui la persécution dans mon pays. Okay. Je vais aller au Canada en passant par ce chemin que je ne connaissais pas. Personne ne savait c'était quoi Personne ne savait c'était quoi finalement ce chemin Roxham. Parce que là, c'est devenu un petit peu comme populaire comme terme. Mais à l'époque, comme toi-même tu le dis, tu ne savais pas finalement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'attend dans ce chemin, qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté aussi. Non. Donc c'était quand même un grand saut dans le... Dans le vide. Dans le vide. Hein. c'était un chemin de non-retour. Parce que quand vous traversez ce chemin-là, on entre dans un pays sans y être invité, mais on avait un motif, c'est une demande d'asile. Une demande d'asile. On est arrêté. Vous êtes arrêté à la... Vous êtes arrêté. Dès que tu arrives de l'autre côté, en fait, en côté canadien, finalement. C'est un petit bout de chemin. Ah, c'est un petit bout de chemin. Okay. Dès que vous le traversez, vous êtes arrêté. Si on vous retourne, il y a un véhicule de police là-bas qui vous refuse l'entrée. Donc, tu ne veux plus repartir aux États-Unis? Non. Mais tu ne peux pas rentrer au Canada. Mais tu fais quoi? Tu es au milieu? Tu peux rentrer au Canada, mais tu es arrêté. Ah, tu es arrêté. Ok. Tu es arrêté. Mais c'était la procédure. Tout ce qu'on savait de la procédure, c'est d'arriver à la ville de Plattsburgh, où l'autobus qui emmène les gens vers Montréal s'arrête pour la dernière fois. Et donc, à partir de cet arrêt-là, on prend un taxi qui nous amène au bout du chemin. Mais c'est un petit bout de terre comme ça, avec un officier de la gendarmerie royale qui était là. Et dès que vous voulez traverser, il vous dit, si vous faites un pas, je serai obligé de vous arrêter parce que vous rentrez illégalement dans le Canada. Derrière vous, il y a une voiture de police américaine qui attend juste que vous franchissiez et pour vous être empêche hors, de... Pour être hors... Je comprends totalement. Écoute, on va continuer d'en parler. On va faire une petite pause rapidement et on revient dans un instant. On est de retour dans Entre nous, donc on continue notre discussion. Love Joyce, Amivi, donc tu es l'auteur aujourd'hui donc, du livre « Je n'ai pas choisi de partir ». Donc justement, tu racontes ton parcours justement, ton parcours d'immigration finalement du Togo au Canada. Comme tu disais tout à l'heure, une fois que tu arrives, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as parlé un petit peu du chemin qui s'est passé entre les États-Unis et ici. Quand tu es arrivé ici, as-tu trouvé finalement tout de suite cette aide, ce refuge? Comment ça s'est passé ces premiers jours, ces premiers pas? Les premiers jours en 2017 étaient assez difficiles parce que ce n'était pas structuré comme c'est structuré aujourd'hui. Okay. Donc, il y avait un afflux de gens assez important. Le chemin n'était pas construit, structuré pour accueillir et fournir des services. Parce que les gens qui sont arrêtés ont fait une vérification d'identité. Et puis, il y a une vérification des antécédents criminels. Et on leur remet un papier de demande d'asile. On écoute d'abord la première déposition parce qu'il faut expliquer pourquoi est-ce que vous traversez le chemin. Mais c'est ça, parce qu'ils vont dire, voilà, pourquoi ils vont vous demander pourquoi vous avez choisi de traverser absolument. Le chemin. Absolument. Donc, c'est ça. Et puis après, nous, à l'époque, on était restés dans les entrepôts de la douane pendant une dizaine de jours quand même. Oui, donc... On dormait à la Belle Étoile. Il n'y avait pas de structure. Donc, parce qu'on parle de quand même, il y a juste 6 ans. Ce n'est pas si loin que ça non plus. Oui. Donc, à ce moment-là, il n'y avait quand même rien comme accueil. Non. Il y avait un accueil. Il y avait un accueil que je trouvais même assez intéressant parce que c'était quand même des officiers. Beaucoup ont été sortis de leurs vacances pour venir appuyer les équipes qui étaient là-bas. Okay. Mais cet accueil-là, il était totalement différent du rapport qu'on avait généralement avec les gens en uniforme, notamment aux États-Unis, encore pire en Afrique. Mais il y avait cet accueil-là. Okay. C'est vrai qu'il n'y avait pas de structure à la frontière, le temps de faire toutes les premières formalités. Donc, on était accueillis dans les bâtiments de la douane. Et donc, je raconte un peu tout le processus dans le livre. Mais juste pour expliquer un tout petit peu le titre, je n'ai pas choisi de partir. En fait, je ne le ramène pas seulement à moi parce que je parle du fait que je suis parti pour éviter la persécution. Mais je dis globalement que tous ceux qui sont obligés de partir pour différentes raisons, que ce soit la lumière, la misère, que ce soit pour aller étudier, que ce soit pour ne serait-ce que changer de vie encore, que ce soit pour des catastrophes naturelles ou des guerres,
ce sont des gens qui ne choisissent pas de partir. La migration est toujours une contrainte, soit pour éviter une situation dans laquelle on est inconfortable et on cherche une meilleure place pour vivre, et puis l'être humain a toujours migré. Le peuplement de la planète Terre s'est fait à cause et avec des migrations. Donc je pense qu'on ne choisit jamais de partir, peu importe si on passe par un chemin irrégulier comme moi ou comme si on arrive à l'aéroport, on ne choisit jamais de partir. Et justement, donc, comme tu dis, tu n'as pas choisi de partir, maintenant tu es arrivé au Canada, est-ce que toi tu trouves que, je ne sais pas si tu as sûrement vu là, ces derniers chiffres, vraiment, il y a, pendant la politique, on a montré qu'il y a de plus en plus en fait, de personnes qui traversent, qui passent par ce chemin, Roxham maintenant, de plus en plus chaque année. Et malgré tout, on entend ce discours des politiques qui cherchent à fermer le chemin Roxham. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Il faut faire attention au discours politique. Moi, mon métier, je suis un spécialiste de communication. Oui. Donc généralement, quand on prend les informations, moi, je les prends avec des pincettes. On parle de 17 000 qui sont arrivés en 2017, 17, 16 000, 2018, 15 000, 2019. Sauf qu'en 2020, il y a la célèbre pandémie. La pandémie, 2020-2021, le chemin est fermé. Parce que toutes les frontières sont fermées à ce moment-là. Il n'y a personne qui venait de l'aéroport, donc toutes les frontières sont fermées. Malgré ça, quand même, au chemin Roxham, il y a eu 7 000 et 8 000 qui sont passés entre 2020 et 2021. Donc, c'est comme si le bouchon était un peu coincé. Okay. Et en 2022, quand on ouvre les frontières, il y a un afflux. C'est ce qui explique le chiffre de 39 000 qui sont arrivés arrive en 2022. En 2022 okay, je comprends. Parce que la pression avait été mise sur le chemin en 2020-2021. Donc aujourd'hui, on met ce chiffre en avant en disant qu'il y en a trop. Mais il faut répartir ces 39 000 sur les trois dernières années, 2020, 2021 et 2022, pour voir que finalement, ce n'est pas si grand que ça. Ça reste comme finalement constant, c'est ça. Plus ou moins. Dans la même veine, les politiques nous racontent que c'est trop facile de passer par le chemin Roxham. C'est ça. C'est archi faux. Si j'écris ce livre et si je fais des entrevues comme dans celle qu'on est en train de faire en ce moment, c'est parce que je veux apporter dans le débat public une version de quelqu'un qui est passé par là. C'est une démarche. Une vraie version. C'est parce qu'on entend version. Souvent, comme, quand même, comme tu le dis, une version entre guillemets médiatisée ou politique. C'est là, ça. On a vraiment, comme tu dis, quelqu'un qui une a vécu ça. Humaine, je dirais. C'est ça, une version humaine. La dernière fois, on disait qu'on peut mettre un visage sur le chemin Roxham. Moi, je l'assume complètement parce que c'est un phénomène très particulier dans l'histoire des migrations. Je suppose que quand on parlera des migrations dans quelques années, peut-être nous, on ne sera pas là. On parlera de la première fois où il y avait un bout de frontière qui a été franchi par des demandeurs d'asile. Donc moi, j'assume le fait d'être passé par là et j'en parle pour apporter une lecture expérientielle et testimoniale du chemin Roxham. Donc on raconte que les gens qui passent par là, ils sont comme en villégiature. Et on a tellement mis ça dans la tête des gens que quand récemment le Bloc québécois, qui est un parti québécois au niveau fédéral, a fait sortir un visuel où disait « le Québec n'est pas un tout inclus », le Bloc québécois s'adressait aux Américains, surtout à la mairie de New York, qui payait des taxis pour les gens pour aller directement au chemin Roxham plutôt que de rester dans la ville de New York. Okay. Sur le visuel, il y avait deux drapeaux américains. Malgré ça, les gens ont quand même dit « ouais, ils parlent mal des migrants ». Les migrants, ils souffrent, etc. Je dis, ils ne s'adressent pas aux migrants. Tout le monde le sait que ce n'est pas un chemin de villégiature. Ce n'est pas comme si on partait en vacances. L'autre chose, c'est que si tu n'as pas de fondement d'asile, si tu n'as aucune raison de craindre pour ta vie et que tu passes par le chemin Roxham, tu ne fais que reporter ta déportation. Parce que finalement, de toute façon... Il y a une investigation. Tout le monde n'est pas accepté, malheureusement. Tout le monde n'est pas accepté. En 2022, on dit que seulement 59% des demandes recueillies ont été acceptées. Tout le monde n'est pas accepté. Et même si vous faites des recours, à un moment donné, l'immigration peut vous dire, mais finalement, votre vie n'est pas en danger parce que vous n'êtes pas arrivé à prouver cela et on vous déporte. Donc, payer 10 000 $ à des passeurs, passer par là en espérant que c'est trop facile, c'est peut-être des fois se mettre soi-même à risque. Maintenant, je veux nuancer mon propos à ce sujet. Il y a des gens qui sont tellement dans la souffrance de cette démarche d'asile qu'ils ne sont pas capables de mettre des mots sur ce qui leur arrive. Ce qu'ils ont vécu. Ce qui fait que malheureusement, ils vont être déportés alors qu'ils avaient de vraies raisons de demander l'asile. Okay. C'est en cela que le travail des avocats qui nous accompagnent dans cette démarche est important. Okay. Donc, il faut sortir du débat médiatique et politique
parce qu'ils vont gonfler des chiffres en oubliant de préciser que c'est parce que c'était fermé en 2020-2021 qu'on a 39 000 en 2022. Ils oublient de dire que ces gens-là, quand ils arrivent, moi je suis arrivé en 2017, j'avais 600 $ d'aide sociale, je payais 425 $ pour une chambre en colocation. C'est pas du tout inclus, ça. Donc, il fallait aller dans des églises pour aller chercher de quoi manger deux fois par mois. Et il fallait surveiller, on marchait beaucoup plus, parce que des fois, on n'avait même pas les moyens de payer la carte d'autobus. Oui, les transports, oui. Et donc, il y a tellement de situations délicates quand on rentre dans une démarche d'immigration comme celle-là, qu'il n'y a personne qui doit continuer à dire que c'est trop facile. Que c'est facile. Et donc, c'est vraiment le rappel que tu tiens nous dire dans ce livre « Je n'ai pas choisi de partir ». On va continuer d'en parler, on va faire une petite pause et on revient dans un instant. Okay. Merci de nous rejoindre pour ce troisième segment, toujours dans Entre nous. Donc, dis-moi un peu, au final, est-ce que toi, d'après toi, pour toi, on devrait fermer le chemin Roxham ou pas? Je n'ai pas la prétention de dire au Canada qu'est-ce qu'il faut faire avec les frontières. Ce que je dis, c'est que fermer, c'est une fausse bonne idée. Okay. Si on ferme le chemin Roxham, qui est un point unique de convergence pour tous les demandeurs d'asile, ben, il va y avoir plusieurs points sur les 5500 km qui séparent le Canada des États-Unis. Le fait d'avoir un seul point célèbre fait que tout le monde converge vers le même point. Mmh. Il y a des équipes, des gens qui récupèrent leurs demandes tout de suite et traitent les dossiers. Mmh. Ces gens sont arrêtés, renseignés sur leur identité et il y a même un check-up médical qui est fait sur ces gens. Donc si on ferme le chemin Roxham parce que c'est devenu un sujet politique, il va y en avoir plusieurs. Et on ne peut même pas arrêter la migration aujourd'hui parce que là, les chiffres nous disent qu'il y a 280 millions de migrants à travers le monde. Mmh. L'année dernière, le Canada en a accueilli, a donné 435 000 résidences permanentes. Okay. C'est une goutte d'eau. Ouais. Les États-Unis ont 2 millions de gens qui traversent illégalement la frontière du Mexique chaque année. Nous, on dit 39 000 sans préciser que sur 3 ans, c'était ça. Donc, c'est vraiment une fausse bonne idée. Ce qu'il faut faire... Quelles sont les solutions pour toi, d'après toi? Moi, ce que je propose, c'est de répartir entre les provinces du Canada selon un quota qu'il faut définir. Mais pas seulement, il faut répartir dans les régions des provinces. Okay. Parce qu'aujourd'hui, au Québec, on dit non, Montréal est saturé, Longueuil est saturé. Mais il y a d'autres zones qui ont besoin d'habitants, de contributeurs, d'employés, qui ont de la place dans leurs écoles, qui ont besoin de gens qui vitalise ces sociétés-là. Donc, pour toi, ce serait important, en fait, peut-être que le Canada, je parle de manière générale, le gouvernement, cherche plutôt à encadrer et prendre en charge, on va dire, entre Absolument. Guillemets. Absolument. Le chemin Roxham fait partie de la solution à l'immigration, parce qu'il faut savoir qu'on a un problème et on a besoin de migrants. Le ministère de la Santé veut recruter 1000 personnes à former, du Québec, 1000 personnes à former à l'étranger. Peut-être qu'on peut en prendre un lot dans ceux qui arrivent par le chemin Roxham. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent, il y en a qui sont certainement infirmiers dans leur vie. Oui. Il y en a qui veulent bien être formés. Il y en a qui veulent changer de vie, qui acceptent de changer de métier. Mon premier métier, moi j'ai payé une formation de cariste, conducteur de chariot élévateur. Ce n'est pas parce que j'ai travaillé à la présidence de mon pays que quand j'arrive ici, je vais travailler dans le cabinet du Premier ministre. J'ai accepté d'aller travailler à Boucherville, le temps de trouver un autre emploi dans mes compétences. Donc, il y a une façon qu'on peut gérer le problème et c'est à cette façon-là qu'il faut réfléchir plutôt que de raconter qu'on va juste fermer et puis ça sera réglé. Alors pour toi, c'était vraiment important vraiment de partager ton histoire dans un livre? C'était important parce que j'étais témoin de quelque chose de particulier et comme je le disais, c'était une aventure assez historique pour moi-même. Pour tous ceux qui ont traversé ce chemin, on parle de 100 000 personnes. Et je voulais documenter le sujet. Mais c'est la première partie du livre. La deuxième partie, je parle de mon expérience d'intégration. Ton expérience d'intégration, donc comment je me suis intégré, comment être bénévole dans le milieu communautaire m'a aidé à m'intégrer, à rencontrer les gens, à me familiariser avec les gens et ainsi à pouvoir facilement comprendre c'est quoi les enjeux du Québec, comment les Québécois fonctionnent, ça veut dire quoi les expressions québécoises, pourquoi c'est finalement, comme ça. Finalement, c'est tout nouveau, c'est et tout je me suis intégré adapté. Facilement de cette façon-là. Okay. Je le raconte, l'intégration, c'est un devoir à la fois pour ceux qui arrivent, mais aussi pour ceux qui sont là. Donc, accepter d'intégrer pour ceux qui sont ici, accepter de s'intégrer pour ceux qui arrivent.
Ceux qui arrivent vont chercher rapidement un espace de confort où ils retrouvent des choses qui leur ressemblent. Ça crée des ghettos. Et les ghettos, ce n'est pas l'ouverture pour la société. C'est ce qui peut-être fait un peu peur à ceux qui Exactement. Sont sur place. Donc il faut ouvrir et je demande même au gouvernement d'exiger que les nouveaux arrivants fassent tous du bénévolat parce que moi, c'est tout bénef pour moi. Le Premier ministre du Québec a eu un exemplaire de mon livre quand il est passé à... Le Premier ministre du Canada, pardon. Monsieur Justin Trudeau, il a eu un exemplaire de mon livre quand il est passé à Longueuil la semaine dernière. Mais c'est parce que je connaissais la mairesse dans mes bénévolats. Et parce que aussi, tu as Pierre Nantel, qui est l'ancien député fédéral d'Longueuil, qui a écrit même la préface de ton livre. Oui. J'ai rencontré dans le bénévolat. Donc tu montres aussi qu'il y a du positif. C'est pas non plus... Il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir de ces contacts. Oui. Donc c'est quelque chose que vraiment tu incites à pousser. Est-ce que toi, tu trouves qu'aujourd'hui, il y a assez d'encadrement, rapidement, très rapidement? Est-ce que tu penses qu'il y a assez d'encadrement? Justement, avec les associations. Il n'y a pas assez d'encadrement encore parce que le sujet reste délicat politiquement. Okay. Et que beaucoup de commentateurs font du pouce là-dessus en grossissant les traits. Moi, c'est pour ça que j'aime bien passer dans des entrevues comme ça pour expliquer que moi, je suis passé par là. Je ne suis pas un délinquant, comme on a laissé penser une fois en disant que tous ceux qui sont venus du chemin Roxham, c'est eux qui augmentent la criminalité à Montréal. Ils ne travaillent pas, ils ne font rien. Moi, je travaille bien, je suis bien intégré, je suis bénévole. Il y a beaucoup comme ça. La personne avec qui j'ai traversé a accepté d'aller travailler à cette île. Moi, je n'ai pas le courage d'aller à cette île, même pour visiter, parce qu'on entend qu'il fait très froid là-bas, mais c'est clair que maintenant qu'il est là-bas, je vais aller visiter Pourquoi cette pas, zone. C'est l'occasion de voir... Absolument. C'est ça. Dis-nous un petit peu comment on fait pour retrouver donc, ce livre, si on veut aller le chercher, donc, où est-ce qu'on peut le trouver? Absolument. Comme je l'ai publié à compte d'auteur, il est uniquement en ligne pour l'instant. Il est sur Amazon. Parfait. Je n'ai pas choisi de partir, Love, Joy, Sam, ma vie. Il est aussi sur Bouquinbec, okay. qui est une structure qui m'a aidé pour l'impression du livre. Okay. Très bien. Alors, dis-nous, si tu avais peut-être un dernier mot à dire, ce serait quoi? Ce serait juste de dire à tous ceux qui nous écoutent que le chemin Roxham a sauvé ma vie, a sauvé la vie de peut-être 100 000 personnes qui sont venues depuis 2017, peut-être encore qu'il y en aura. C'est un chemin pour demander l'asile, ce n'est pas un chemin pour visiter et venir profiter de quoi que ce soit. Et même quand on est là, on participe, on est des contributeurs, on paie des taxes. Merci de nous accueillir et merci de nous sauver la vie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci Marie pour ton invitation. C'était un plaisir. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. C'est la fin de notre émission. On se retrouve jeudi prochain à 16h pour la nouvelle émission d'Entre nous. À très vite.